c'est nager? Ah, c'est pas nager, donc il faut le... Voilà, il y a un maître nageur. Il va t'apprendre à nager. Il va t'apprendre à nager. Mitch. Comment il s'appelle? Florent. Flo. Appelle le Flo. Ouais, Flo, c'est plus beau. Qui c'est qui m'apprend à nager, alors? Ah, viens, on y va. Si, viens. Si j'ai un mot à donner avec ses enfants, c'est... C'est pas un mot, c'est du bonheur. Moi, j'ai un petit garçon de 6 ans. Et lorsque je les ai vus, je voyais mon fils qui s'amusait avec moi, en fait. Et pour moi, voilà, quoi, je voulais m'amuser avec eux comme si je m'amusais avec mon fils. Hein. Plus loin. Moi aussi. Mais non, CM2. Qui est en CM3? On avait une mission, c'était de préparer un bon goûter. Ces enfants, c'est une leçon de vie. J'ai 34 ans, j'ai pas d'enfants. Voilà. Aujourd'hui, quand on voit tous les malheureux comme ça, on se dit, bah, j'en prends 4-5. J'ai les moyens de les élever, les 4-5. Il est temps pour les Robinson de dire au revoir à leurs invités. Et alors que s'achève cette journée inoubliable, durant laquelle les Robinson ont dû apprendre à donner, cette incroyable rencontre avec des enfants défavorisés a bouleversé Mehdi. On avait une mission, c'était de préparer un bon goûter. Et moi, voilà, si j'avais beaucoup plus de temps à leur donner, mais j'aurais construit une boulangerie, parce que c'est des enfants. Je ne regrette absolument pas d'avoir pris mon temps et d'avoir été au supermarché pour leur choisir. Et je suis sûr que, voilà, ils sont repartis avec énormément de souvenirs et des poches pleines de bonbons. Et quand on voit ça, on se dit, mais on perd notre temps. Enfin, moi, j'ai besoin de donner de mon temps plus comme ça. On peut rien dire. On est désarmé. C'est un tsunami de... Pourtant, Mehdi pleure, là. Ah ouais. Ouais, je me suis sauvé. Ouais, je me sauve même plus, là. Tu vois, l'armure, c'est ça. L'île des vérités. L'aventure continue. Demain à 17h45 sur Énergie 12.